5, 4, 3, 2, 1. François Mitterrand est élu président de la République. Vous ne voulez pas parler du passé, je comprends bien naturellement. Et vous avez tendance un peu à reprendre le refrain d'il y a 7 ans, l'homme du passé. C'est quand même ennuyeux que dans l'intervalle, vous soyez devenu, vous, l'homme du passif. Cela gêne un peu votre démonstration d'aujourd'hui. Eh bien, nous sommes donc dimanche 10 mai 1981, le deuxième tour de l'élection présidentielle. Nous vivons ensemble un moment décisif. Dans quelques secondes, effectivement... 25 secondes, pardon. 25. Soyons à l'heure. Dans quelques secondes, vous allez connaître le nom du président de la République. Dans tous les états-majors, un peu partout, dans tous les foyers, on attend ce résultat. Effectivement, vous l'aurez à l'heure précise. 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. François Mitterrand est élu président de la République. Nous répétons donc, estimation C2I en Ewelbul, M. François Mitterrand est élu président de la République, 51,7%, Valéry Giscard d'Estaing, 48,3%.